vous allez tous bien. Je vous fais une petite story. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu ce qui s'est passé hier. Donc, je vais être absente des réseaux pendant un moment. Bon, même si je n'étais pas très active ces derniers jours, je m'en voulais pas. Mais là, pour le coup, je vais pas du tout être active. Parce que, voilà, par choix. Parce que, franchement, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à digérer. Donc, bref, il va me falloir du temps. En tout cas, merci pour vos messages. Tous vos messages. Merci, merci. Merci pour lui. Bref, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a compté pour moi, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et que là, bref, d'apprendre cette nouvelle, ça me. Je suis anéantie, bref. En tout cas, je fais pas cette story pour montrer. J'aime pas faire des vidéos où je qui montre mes faiblesses. J'aime pas faire des stories où je pleure. Ou voilà, vous savez, je suis pas quelqu'un qui raconte trop ma vie. Mais voilà, profitez de vos proches, c'est très, très important. Parce que voilà, là, il a dû partir. C'est le destin, c'est la vie, faut accepter. Mais c'est juste que bon, mais ça fait mal. Ça fait très, très mal, mais bon. Quand on aime quelqu'un, enfin, vraiment quelqu'un qui compte pour nous, c'est dur de le perdre. Maintenant, voilà qu'on va prier pour lui, on va penser à sa famille, et puis on l'oubliera pas, quoi. Il va rester vraiment dans notre cœur, dans nos esprits. C'était vraiment quelqu'un de bien. Et voilà, il a beaucoup compté pour nous, il comptera toujours. On t'oublie pas. On t'oublie pas, on t'aime. Ta famille, tes amis, on pense fort à toi. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont écrit, tous ceux qui m'ont envoyé des messages positifs. Et ça me touche. Vraiment, ça me touche. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il va falloir remonter la pente, pas le chemin.